batteur et la receveuse s'aiment comme deux tourtereaux. La receveuse est cajoleuse, le facteur veut la rendre heureuse. Pendant leurs joutes amoureuses, leurs 16 enfants jouent dans le bureau. La petite Fernande et son petit frère Doudou jouent à la marchande avec les timbres à deux sous. La petite Amanda s'amuse avec les mantas. Toto joue avec les chèques postaux. La petite Gudule déchire toutes les formules. Et la petite Yvonne détrape le téléphone. Le facteur reste au lit pour ses affaires privées. Et le courrier n'est pas levé. Quand on entre dans cette poste pour choisir un timbre à 10 sous, les 16 enfants derrière la porte se précipitent et vous escortent. Ce sont des cris de toutes sortes, des hurlements à rendre fous. La petite sœur de Marthe et son petit frère Doudou prend quelques mandats cartes et vous les flanque d'un coup. Ernest vous donne des coups de tampon dans le pantalon. Toto vous met de la colle dans le dos. Et la petite Yvonne vous dit le mot cambronne. Oh. Sa lettre d'un seul coup pas affranchie du tout. Le facteur reste au lit pour ses affaires privées. Et le courrier n'est pas levé. La receveuse aujourd'hui même vient de mettre au monde un enfant. Ça fait son petit 17e. On l'a prénommé Nicodème. Mais pour le loger, mon Dieu, quel problème. Mais comment faire, le bureau n'est plus assez grand. Plus assez grand. On trouve des tétines un petit peu partout. Il y a dans la cabine des couches en caoutchouc. On suspend le linge à sécher entre les guichets. Les biberons traînent dans les environs. On marche sur les langes du pauvre petit ange. Tous les gens du pays trouvent que c'est bien ainsi. Et le petit enfant à l'heure de sa tétée a crié vive l'air.